Parce que nous sommes des agents. Bonjour. Alors, on a vu vos agents. Voilà, qu'est-ce qu'ils demandent? Qu'est-ce qu'ils souhaitent là-bas? J'ai lu comme vous, hein, ils revendiquent 4 mois des arriérés de salaire. Et d'emblée, j'insiste pour dire que ces 4 mois d'arriérés sont les arriérés de nos prédécesseurs. Depuis que nous sommes là, il n'y a aucun mois de retard de salaire. Nous avons été nommés le 3 juin, nous avons fait remise reprise le 7 juin. Et depuis ce jour jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas un seul mois de retard de salaire. C'est l'administration de l'État, ça continue. Ils ont le droit de revendiquer leurs arriérés. Et on va voir à quelle mesure on va les appeler. Et alors, selon l'actu, on a essayé de les faire, ils ont dû que votre prédécesseur a cédé. Je vais les apaiser, ça n'a pas changé. Ils peuvent aller demander les directeurs financiers, ils peuvent aller à la banque, ils peuvent aller partout où ils veulent. Ça n'a pas changé. Ce qu'on a trouvé, c'est ce que nous percevons à ce jour. Ça n'a pas changé. Et si quelqu'un dit le contraire, c'est la mauvaise volonté. Tout simplement, ou alors il n'a pas la bonne information. Et l'acharnement des éléments de la police sur vos agents, l'arrestation des agents? Je pense que le vendredi, ils étaient là. Il y a eu une équipe, moi j'étais au lancement du commencement du début des travaux de budget Caritas avec le gouverneur. Une équipe a été reçue par mon adjoint et ils étaient convenus qu'on va se revoir le mercredi. La police a été avisée. Mais aujourd'hui, la police, ce n'est même pas nous. Il y a eu un communiqué, je crois, du général interdisant des marches ou quelque chose aujourd'hui. Mais je pense que la police n'a fait que son travail. Non seulement ils descendent avec des mensonges, non seulement ce n'est pas un syndicat, ils descendent sans informer qu'ils vont descendre, c'était vraiment anticonstitutionnel et illégal. Alors, voilà pourquoi la police a fait son travail. C'est quoi les messages? Je vais dire ceci, il faut quand même que les gens sachent.
Nous sommes là, moi et mon adjoint, depuis le mois de juin. Depuis que nous sommes là, à quel état nous avons trouvé cette régie? Nous avons trouvé une régie surendettée. Nous avons trouvé les soins médicaux en voisinant les 1 milliard de francs congolais de dettes dans tous les centres ici à Kinshasa. Ils nous réclament encore cet argent. Le crédit dans les banques. Nous avons trouvé les loyers impayés de tous les sites où sont logés les bureaux de la DGRK dans les 24 communes. L'immeuble où était la direction générale de la DGRK, on nous réclame plus de 10 mois de loyer et des frais de réhabilitation de cet immeuble en voisinant les 600 000 dollars. Nous avons trouvé, à l'état où nous avons trouvé la régie, nous sommes en train de faire un effort pour faire revivre cette régie qu'on avait trouvée non seulement malade, mais en agonie. Nous sommes là en train de faire un effort dans les réformes prévues. La première des choses, quand vous trouvez une enveloppe salariale dépassant les rétrocessions que nous percevons de la ville, ça devient un problème. Tous mes prédécesseurs avaient l'habitude d'emprunter à la banque, de faire de revolving pour payer les agents. Et les agents étaient payés quasi une fois les deux mois. Parce qu'on commençait par la lettre A jusqu'à J, le mois prochain, on payait les autres. Nous, nous payons tout le monde et tous les mois. Tout simplement parce qu'on a mis l'agent au centre de notre mandat. Et ça nous étonne vraiment qu'on n'ait même pas un retard de paiement des salaires. Et non seulement ça, on s'est encore battu pour leur payer les frais scolaires au début du mois de septembre. Ça, c'était encore un plus qu'on a fait. Donc, dans les réformes, on se prive, nous, pour ces agents. Et le mouvement d'aujourd'hui, non seulement, bon, j'attribue ça parce que vous allez aussi les écouter après notre entretien, non seulement je peux attribuer ça au déficit communicationnel, ils ne savaient pas à quel état était la régie peut-être, ils ne savaient pas comment est-ce qu'on fonctionnait, on faisait des efforts pour eux, on ne s'est pas arrêté là. On a même pris un protocole avec l'hôpital, on a signé un contrat avec l'hôpital cinquantenaire pour les soins médicaux des agents. Nous avons 2000 agents. L'enveloppe salariale nous coûte énormément. Et ils demandent aussi l'augmentation des salaires. Ce n'est pas nous, ce sont des agents de la fonction publique. Le barème qu'on a trouvé, le barème que tous les directeurs ont payé, c'est le même. Donc, s'ils veulent l'augmentation des salaires, ça doit commencer à la fonction publique, ministre de Finances, et ça va passer. Ce n'est pas nous. Nous, ce qu'on a trouvé, c'est ce qu'on paye. Et il n'y a aucun mois de retard de salaire. Malgré ce qu'on a trouvé à la régie, on se bat pour donner, pour mettre cet agent à l'aise. Mais nous, à notre tour, nous leur demandons aussi de prôner et de faire pour la maximisation des recettes. Les recettes n'augmentent pas, mais par contre, les agents demandent l'augmentation de salaire. Je vous remercie. Nous sommes à pouvoir. Tokoti na vision mokondi à Kinshasa, tokoti na vision ya mokondi à Mboka. Oyaza simananga monoranga mikonyo so ndenge na sinyaka. Le président de la République, Félix Tshisekedi de Tshilombo. Totie yatie le peuple d'abord, biso totie akipe les agents d'abord. Totie bango na centre pour tout le biso qui agent aza mal azo futa maté, ceux qui agent aza malade azo zoa, ceux médicaux té moyen pe akene ko luka mbongo ezaté. Tokuti o tokutaki, mais tozo bunda pour na ba agent, ba sacrifice mon sous biso tozo sala. Pour tozo la ndengo tozali, ba mituka musala tokuta ngo té. To lua ka tokota ba mituka ba mike mike. Banda biso toye awa na mois de juin ba noma biso ata un mois retard ya salaire exacté ba futama na juin ba futama na juillet ba futama na août ba futama na septembre lobi pe tozo bana paiement octobre toza na nyongwa salaire ata mon côté bazo senga augmentation bango baza ba fonctionnaire à l'état ba batira bango mongo ya solo biso pe tozo mona ba misu ba tusaka mbongo mke moyen ya ko vivre tant mususu eza malamu te esengeli to bakisela bango mais biso zo bundela bango pa ba konzi
bah quand j'ai fait bas on m'a dit bon matin sa recette bon on puisse payer tout matin c'est là bas on m'ambon bitumba na nyo sota musu bas on va y bien voter ils aident na programme mais oh bas ça qui vendredi bas ça l'ipé lelo ils a kubuka bibeko attend moi na soko zana posa ko sengelo ko pas tata no te pas maman na yo okoya na ko senga okoloba okokoma tozo vivre na mboko ils a na constitution ils a na loi vous a na katia syndicat vous komi mikanda tozo ya poto senga banyongo na biso oyo bato bakendeki batikaki eza droit na bango banga bakomela biso mikanda biso pe tonga tutanga tonga to yamba bango tonga to yebisa bango liboso ya kosenga batala ka nzungu nzungu nanu ebongite nzungu ya impo ebongaka na janvier na février e pa yo bafuta ka impo ya mbula mobimba biso to ye na juin tokute se futa ma nzungu eza polele tozo bunda poto futa bino nanu to futa bino to bundi to futi rentrée scolaire na septembre siko tozo bunda pe to tela bino mo so so bon année ezate bana ba voisin bali a so so bana ba jean déjà kabali a so so té toza na kati ya bitumba wana poto lokela bino so so na loso ya fin de l'année mais tango ya ko senga augmentation ya salaire yango té oto baksa to bozo yango wapi en tout cas soins médicaux biso total et trobi a futa manano chaque mois a jean déjà kanyo so so ka futa kanda kuna ye mwa moko ira tété depuis biso tozali awa tite ko vana so nzamba sungi biso na 5 ans biso ata 1 mois retard salaire tozala ngo decision ke kozala te po aza moko so kazali ayeba ke nafuta katanda kuna nga toyebi ke oya musu se kozala ya kozanga me loyer na ye afuta ka yango e loko ali biso tozo sala ya mwana et puis tolo biso medico na mwa mukira zoka so ki mwana bili malare so mwa salinga bota e ko kute combien na kushima to wela nanu so medico ya baza to kangi to ke ko luka ba opito to tambo to zeli bango 50 nerf o isa na materiel a solo solo o isa na makamiso ba médecin a traiter to a bien affecté to zu bango kuna poke ba zo rasoe na bango pa to zana 2000 agents ko zo charge ya 2000 agents isa li kamba osaka na ngote donc enveloppe salariale et l'équipe rétrocession vila pesa ka biso et fonctionnement to fonctionnera ndenge nini to zali ko bunda pona ko maximiser recette et longo na bango et le bango bazo bosa na ki bango de bato bazana mutu ya ko matisa recette pour salaire na bango et mata bango bazo milongo la bazo kanse sali kambo leta isali kambo leta te bango bato bazo ila letambo biso na bango tozo tia mbongo na maboko ya bakonzi po bakonzi ba fungisa mboka alors so bango bakomi kotika la sima biso tenye bofuta biso basanza wana ile kaka nanu tokoti si ya mbala oyo te e ozala pasi na bengi ba agent bazala na conscience balanda mibeko batelema bayeba ke biso vision na biso za totie bango na centre et bele ba kotia ba délégation na bango ba s'excuser balabi mama to yeba ke pas biso za omona pona biso te tozali bana na yo limbisa biso ngai pe na limbisi bango banda lelo ngai pe na communiquer mingi na bango et longo biso na bango to ke repona réussite ya DGRK DGRK ezali régime nene wo ekotia projet liboso na Kinshasa wo ekopesa gouverneur de province moyen aye pour na ko sala politique ya ville ya Kinshasa ya Bopeto to peto la ba cerveau to peto la banzoto to peto la environnement Kinshasa et Kendeli Fuso. Je vous remercie.